Allez, c'est parti pour les abdos. Donc là, on va faire des exercices uniquement au sol. Donc on n'a pas besoin de matériel spécifique, uniquement le tapis. Et on va faire un petit circuit d'abdos, tranquillement. Donc vous allez me suivre. C'est parti, on s'allonge sur le dos. Allez. Alors, jambes fléchies, pieds au sol. Les mains derrière la tête, on commence par des relevés de buste. Donc ici, on dégage un petit peu le menton. Attention, faites attention de ne pas tirer sur la tête. On souffle en montant, on contracte bien les abdos et le périnée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, alors en vrai on est à 16, 17, 18, 19, on fait des séries de 40. Allez, 21, on souffle bien en même temps, on aspire bien le nombril, on contracte bien le périnée. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On repose la tête. Ici, on fait des relevés de bassin. Alors, on va ramener les genoux vers la poitrine en soufflant. On fait un petit mouvement sans élan et sans à-coups. Là, c'est bien à la force des abdos qu'on relève un petit peu le bassin. 6, 7, 8, 9, 10, pareil, on souffle, on aspire le nombril, on contracte le périnée. 16, 17, 18, 19, 20, 21, je suis sur le tambouille, je crois, dans les comptes. 23, 24, j'arrête de parler, 25, 26, on souffle bien en montant. Hein. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On va faire les deux en même temps. 1, 2, donc épaules et bassin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Soufflez bien. 17, 18, 19, 20, allez, 21. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, plus que 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et on enchaîne, dernier exercice, la planche, 1 minute. Et c'est parti. Donc, si vous ne pouvez pas faire la planche à cause des épaules, à la place, vous vous asseyez, vous faites l'exercice, je vous montre, ici, tac, d'accord? Donc, c'est une forme de gainage également hein, pour les abdos, mais sans avoir de contraintes au niveau des épaules. Repoussez bien là, sur les bras, soufflez bien.
Restez concentré sur votre sangle abdominale. Aspirez un petit peu le nombril, gainez bien. N'oubliez pas le périnée. Allez, restez encore un petit peu. Attention à ne pas cambrer le dos, à ne pas être trop bas. Ne pas être trop haut non plus. Hein. Essayez d'être le plus possible à l'horizontale. On pousse un peu plus, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, une minute de repos. Vous allongez. Et vous vous relâchez bien. Vous étirez un petit peu doucement. Allez, on va repartir sur les relevés de buste. On se remet les mains derrière la tête, dégagez un peu le menton et on souffle en montant les épaules. 1, 2, 3, 4. Commencez à bien souffler, bien rentrer le ventre, bien contracter le périnée. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, plus que 10, 9, 8, soufflez bien en montant, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on repose la tête et on fait les relevés de bassin. Allez, 1, 2, 3, 4, on souffle en montant, sans élan, sans à-coups. Faites un petit mouvement sans aller trop loin. Si toutefois ça vous faisait mal au lombaire, hein, vous continuez les relevés de buste. Hein. On va dire 20, 21. 22, 23, allez, soufflez bien en montant, 25, 26, sans élan, sans à-coups, 10, 9, pensez à bien aspirer le nombril, bien contracter le périnée, 4, 3, 2, et on lève les épaules en même temps. 1, 2, 3, 4, allez, soufflez bien. Encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore
ver? Ok, passe sur la tête. Pensez toujours à bien souffler. Bien rentrer le ventre, bien contracter le périnée. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on part sur la planche. Allez. En position. C'est parti. Bien les coudes sous les épaules. On se met bien à l'horizontale, on souffle bien. Allez, ne bloquez pas la respiration, hein, surtout vous vous oxygénez bien. On maintient la posture. Vous pouvez éventuellement rajouter un tout petit travail dynamique ici en bougeant un tout petit peu, en faisant bien attention de ne pas cambrer le dos. Alors le mouvement dynamique, elle se fait comme ça de haut en bas. Si vous faites ça, ça va être un travail dynamique des épaules mais pas des abdos. Hein. Donc ici, hein, on fixe l'épaule. Et on bouge un petit peu au niveau des abdos. Allez, on pousse 15 secondes de plus. 10 secondes. 5 secondes. Et on relâche, ça aura fait 1h30. Bravo. Allez. On va se laisser 2 minutes. Avant d'attaquer la dernière série. Commencez à boire un petit peu. Allez, allongez-vous. Étirez-vous un petit peu. Allez, on repasse les mains derrière la tête. On lève les épaules en soufflant. Et on relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle bien en montant. 9. Pensez à dégager un petit peu le menton. Trente et un, trente-deux, trente-trois,
34, 35, 36, 37, 38 et 40. On enroule le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, sans élan, sans à-coups. Et faites un petit mouvement. 2, 3, 4. Allez, 17, 18, 19, 20, 21. Soufflez, aspirez le nombril, contractez le périnée. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on lève les deux en même temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, soufflez bien longtemps. Cinq. 26, 27, 28, 29, 30, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et on se met en planche pour finir. Allez, prêt. C'est parti. Soufflez bien, rentrez bien le ventre. Alors, éventuellement, donc, rajouter un petit travail dynamique. Soufflez bien. Alors, tiens. Allez, encore un petit peu. Allez, les 15 dernières secondes. Allez, ne lâchez pas. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, asseyez-vous sur les talons. Tirez les mains devant. Relâchez la tête. Déroulez le dos. Inspirez. Tirez les bras vers le haut. Grandissez-vous bien. Soufflez. Arrondissez un petit peu le dos. Tirez les bras devant. Relâche.
Et voilà, c'est terminé pour cette partie abdos de ce cours cuisse abdos fessiers. Donc j'espère que vous aurez fait les trois parties, peu importe si vous les faites le même jour ou des jours séparés. Mais voilà, ça se complète plutôt bien, donc c'est bien de tout faire hein, et ça ne prend pas beaucoup de temps si vous en faites un petit peu chaque jour. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao !